À nous, les connaissances chères à maman Lydia Chibango, Clément Tuzo. Que cette dernière continuera à nous, disait Jean Cocteau, je cite, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. C'est dans cette démarche d'entretenir sa mémoire que s'inscrit notamment vos gestes et mots de cette journée du vendredi 28 février 2020 que vous avez choisi pour l'accompagner. Dans cette cité des liens de chers disparus, la nécropole de Kinshasa, lieu de sa dernière demeure. En grande partie, papa. Sa lumière de mer, qui a ménagé quel corps afin de reprendre les affaires et les joies de sa grande famille. À présent, nous invitons tous ceux qui accompagnent la dépouillement. De François Bauriac qui nous dit « Ce n'est pas la mort qui nous prend ce que nous aimons, elle nous les garde au contraire et les fixe dans leur jeunesse adorable. La mort est le sel de notre amour. Ceux d'entre vous qui sauront affirmer l'amour, il a su s'aimer en son temps. Autrement dit, ceux qui sauront vivre sa résurrection perpétuelle en entretenant sa mémoire et ses souvenirs à jamais. » C'est dans cette démarche d'entretenir sa mémoire qui s'inscrit notamment aux gestes et mots de cette journée que vous avez choisi pour l'accompagner dans cette cité dite la nécropole de Kinshasa, dans notre patrimoine mémorial commun, lieu de sa dernière demeure. Pour toutes nos compassions, nom de sens, elle sert de richesse et de réconfort moral à la famille de M. Dadi, à savoir sa veuve. Ses enfants, ses collègues, ses femmes et ses proches parents à qui reviennent dorénavant la charge de confier leur destinée tout au long de ce chemin de la vie séparée de lui. C'est ainsi que Papa Dadi, de lui l'histoire retiendra,
qu'il tire sa lignée parentale de papa Dikambala et de maman Nkosi, du village Ngeba, secteur territoire du village Ngeba, secteur de Ngeba, territoire de Madiba, dans la belle et douce province maritime du Congo central. Il est venu au monde avec le souffle de vie, le vendredi 23 janvier 1970, ici à Kinshasa. Et voilà qu'il vient de nous quitter inopinément le mardi 11 mars 2020, ici même, afin d'être porté en terre ici à la métropole de Kinshasa, ce vendredi 28 février 2020, à l'âge jeune de 50 ans. Au dire de ses proches, nous retiendrons que Papa Dadi, fervent chrétien de l'Église, les combattants du Christ, fut un homme non conflictuel et très sympathique. D'autres, par contre, disent qu'il était un bon encadreur des jeunes artistes et un homme extrêmement ouvert. De sa carrière religieuse, nous retiendrons également que M. Dikambala Dadi, élève du maestro Munuiri, était un artiste-comédien talentueux, de surcroît membre du groupe théâtral East Boy avant de devenir président du groupe théâtral Tateau Rouge. Monsieur Bio, comme vous l'appelez avec du grand, vient de tirer sa révérence. Ses talents comme ses prestations artistiques sont à célébrer selon Maître Cicéron. Je pense notamment au dynamisme et à l'assiduité et à la rigueur dans le travail. Toutes ces qualités n'ont pas manqué à notre cher regretté Dadi. Il nous laisse avec le sentiment de fierté. Chère famille, c'est pourquoi que M. Dadi n'est plus à chercher à son domicile conjugal au numéro 15 de l'avenue Mongo, au quartier de Nyangena, dans la commune de Kirigere, ni à la sortie du culte de dimanche, ni même après une production scénique, ou moins encore après une séance de répétition du théâtral Tapis. Car à cet instant, il vient de changer d'adresse et des communes. Désormais, il vient d'élire domicile dans cette belle cité de la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Villa, allée 2 au numéro 25 de l'avenue du Souvenir. La nouvelle adresse de M. Bio, cité nécropole, quartier Villa, allée 2 au numéro 25 de l'avenue du Souvenir. C'est ici où vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire et réfléchir sa tombe. Sans attendre nécessairement le premier coup de jour, vous êtes demandeurs d'ici pour lui rendre visite et réfléchir sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la nécropole qui m'accompagne ce jour et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, nous vous réitérons une fois de plus nos sincères condoléances. Et nous invitons le vice-gouverneur, M. Nirongo, à venir déposer sa légère de l'heure. Joli jeu, on connaît pas tout.
Vous faites confiance, vous rentrez et revenez après demain pour voir comment nous allons travailler. Équipe option. C'est bon. En tant que famille, nous n'avons rien à dire ici. Nous glorifions seulement l'Éternel. Que Dieu soit loué.
pour ce qu'il a fait. Et la terre de nos ancêtres lui soit douce et agréable. Je vous remercie. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Je vous remercie matin de Painayo. Bate la dipote tikali, bate la pe bande konaye, bate la pe baninga na enyonso. Nyonso pona lokumu ezonge Painayo. Amen. Amen. Oui, une fois vous jetez, vous cédez la place aux autres qui sont derrière ne puissent pas se jeter. Michel, Ndekonangai, Baz, Texas, on a Baz, Mosikata uta, Baz, ya daddy, champion, Nsukita mina, mabala serie, business among, Michel, adie.